Wait. Oh merde, non. Il était. Ah ouais. Il était une grosse couille. Ah ouais, excellent. Ça va, ça j'aime ça. Ben ah ouais. Tombe à terre. Tombe à terre, salope de merde. T'es où? Une couille. Je te le laisse. Je suppose qu'au niveau que je suis. Je sais pas si c'est qu'on va faire. Hein? Ah bon, étape 1, fait, c'est bon, tirer du gun. Ah non! J'ai dit que c'était mal. Non! 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 En fait, on va... ça paye... ça fait moins mal de... ça fait moins mal de prendre un objet plutôt... de crever, parce que si crever, oui, tu perds trop de points avec ça. Wow! Whoa! Ah merde, je suis tombé de merde. Tombe. J'avais mal en putain de démon. Bon, il est tombé, cibole. Sacrement. Ah. Excusez-moi si je parle pas tant que ça pendant que je t'occupais à faire ça, mais... La fête est finie. Fils de Sparda. Fils de qui? Enfin te voilà. Je te cherchais. Tu es mort, tout comme ta catin de mère. Catin de mère? Je sais pas qui est ma mère, mais si tu me traites de fils de pute, tu serais pas le premier. Ouh! T'es mort! En fait, t'es mort! Non, c'est toi qui meurs, pas! Ma mère. Ma mère. Ouais, Je me souviens à peine d'elle. Ma mère. Et je suis triste, mais non. Triste, n'est-ce pas? Un petit peu de piano hein, avec un peu de noir et blanc, hein, quand même. C'est tout ce que ça prend, on est là, mon dieu. Ouf, oh, c'est sorti tout seul, hein. On va faire un petit peu d'édite là-dessus. J'en pleure, moi-même. Qu'est-ce que tu veux, merde? Ça va, Dante? Comment tu connais mon nom? Mon boss te connaît.
Il veut te rencontrer. S'il te plaît. Je t'ai tiré d'affaire, non? Ouais, mais je t'avais rien demandé. Rien demandé, bon, hein. Alors, qu'est-ce que tu es? C'est vraiment ridicule. J'ai rien demandé, casse-toi, mais je vais embarquer dans ton choc quand même. On sait toutes, toi, Dante. Mon organisation s'appelle l'Ordre. Même la grosseur de mon nom, c'est un rapport avec le taré masqué d'Internet. C'est mon boss. Le taré masqué. Génial, j'ai hâte. C'est mon boss. Check, c'est comment il s'appelle, non, déjà, là, c'est... Le vrai de négociateur. De nouveaux attentats pouvant avoir lieu n'importe où, à tout moment. L'employé. Nous t'avons repéré, fils de Sparda. C'est pas Pierre Calpello. Ce n'est plus qu'une question de temps. Non, essaye pas. Tu domines peut-être le Québec, mais tu n'as rien! Bon, on va aller voir le score, tellement qu'il va être pas jamais de l'enfer. Sérieusement, si j'ai au-dessus d'un A, je suis surpris. Bah, ça, c'est excellent, le jour de départ. Ouais, ça fait pitié. Oh! Bah, c'est bon, ça. Merde. C'est pas grave, j'ai perdu pas. Wouah! Oui! Yeah! Quand même. Dans ce jeu-là, c'est relativement facile d'avoir des bons scores. C'est scoré plus haut que S en combat qui est un petit peu plus difficile. Mais en toute honnêteté, c'est très simple de faire des S à toutes les missions. Faut juste faire ce que j'ai fait là. D'autres mots, pas grand-chose vraiment quand on le passe, parce que c'était assez pitoyable ma performance, en général. C'est dur au tout départ de commencer à faire plus d'habilités puis d'essayer de trouver un peu plus. Mais l'idéal dans ce jeu-là, c'est qu'il faut que tu sortes du chemin principal puis il faut que tu ailles chercher les affaires, mais il faut que tu saches vraiment où c'est qu'ils sont. Parce que, en toute honnêteté, si tu le sais pas d'avance... Bon, ça pour pas taper plus. On veut... Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, ça fait que je fais plus de dégâts. On va aller chercher ça. Pourquoi j'upgrade pas mes guns? Pourquoi j'upgraderais mes guns? Sérieusement. À quoi ça sert? Bah, ça fait que je fais plus mal avec, mais j'utilise pratiquement pas. Les capacités en général. Bah, c'est, je les apprends plus tard. Marche-pied, ses ennemis, ça, je m'en contre. Si bol! Tu peux-tu changer le skill? Ah, je peux pas changer le skin parce que j'ai pas fini le jeu dans cette save. Dans cette sauvegarde pour rester en France. Bon, next. On va faire une couple de missions ce soir. On va vous avancer un peu dans l'histoire. En général, vous allez aimer ça de même. De toute façon, je pense que c'est pas tout de suite, on a pas mal d'histoires. Fait que si on se bidonne, ça va être à rire de. Virgile! J'espère qu'ils diront pas Virgile. Peut-être qu'ils vont dire Virgile. Bienvenue dans l'ordre. C'est pas ce que j'imaginais. C'est le but. Les démons sont parmi nous, Dante. Et ils dominent totalement l'humanité. Dante. Le monde est faible, endoctriné, léthargique. Nous, on se gagne. Nous sommes de des combattants de la liberté. Nous sommes la dernière ligne de défense. I know. De défense? Vous n'avez aucune chance. C'est pas une question de chance. On a accumulé des informations sur les démons et sur leurs collaborateurs. Chef d'État, banquier, pop star. On connaît leurs points faibles. Porte. On a aussi des informations sur les portes. Parce que ça, on en a plein. Ainsi que sur ce masque. Ouais, en arrière, on voit très bien que ce n'est pas Dante, mais Justin Bieber. Donc, il surveille Justin. Incroyable. Vous savez pas que c'est un démon? Mais... Attitude de... T'es qui, toi? Dante. C'est bien toi. Non. Oh. Tu ne te souviens pas de moi? Non. Non. Tu as beaucoup de souvenirs de ton enfance? Bah... Pas vraiment. J'ai eu une méningite à 7 ans. Ça m'a effacé la mémoire. Dis-le. Moi, on m'a dit que mon amnésie venait d'un accident de voiture.
à l'âge de 7 ans. Non. Et alors ? La méningite, c'est une pathologie humaine. Mais tu n'es pas humain, Dante. Les guerres se gagnent en trompant l'ennemi, et tu as été trompé. Ton passé t'a été caché délibérément. Attends un peu, t'es qui au juste ? Non. Je m'appelle Virgile. Ah non, il s'appelle Virgile. J'ai créé l'ordre pour trouver un moyen de tuer les démons. Les épées et les balles, ça marche bien. Ça suffit pour remporter des batailles, mais pas la guerre. Nous utilisons la force, c'est vrai. Mais aussi le renseignement, la politique, la propagande. Tu crois vraiment pouvoir faire une différence ? Avec les saintes jeunes filles ? Une différence ? Avec les saintes jeunes filles ? Je crois qu'en unissant nos efforts, nous serons capables de les vaincre. Alors c'est ça que tu veux ? Que je combatte les démons et que je sauve le monde ? Avec les saintes jeunes filles ? Tu comptais faire autre chose de ta vie ? Non. Vous avez l'air vraiment très sympa, les gars. Mais moi, je travaille seul. J'ai un peu de mal à faire confiance à des inconnus. Dante, t'as pas l'air de comprendre les enjeux. Si tu veux partir, libre à toi, je ne peux pas t'en empêcher. Mais tu commettrais une grave erreur. Pour toi et pour toute l'humanité. L'humanité ? Oui. Mais j'en ai rien à carrer. Laisse-moi une chance de te montrer. Me montrer quoi ? Non. Qui tu es vraiment ? Non. Répétitif ? Non. La prochaine mission se trouve dans Paradise. Voiture. C'est vraiment un char avec des sacrés roues, là. Quand on regarde ça, il y a vraiment des sacrés roues sur cette voiture-là. C'est il lève d'à peu près un pied du sol, là. Plus que ça, même. C'est capoté. Putain, c'est une maison! C'était ton foyer. Je m'en souviens pas. Ça va venir. Non. Kat, ouvre le portail. Oui, son nom, c'est Kat. Tu fais quoi? Comme notre monde et les limbes sont étroitement superposés, par endroits, ils entrent en collision. Arrête d'en mettre partout. Ce qui crée des failles. C'est ici, dans ces failles, que nous pouvons créer des portails entre l'un et l'autre. C'est comme si le fait que tu sprayais sur un... Ça sent pas la rose. C'est quoi ce truc ? Un composé que j'ai créé à partir d'une vieille formule Wiccan. Eau de mer, huile de requin, copeaux de fer, semences d'écureuil desséchées et poils de loup. Sympa. Vas-y. Cette maison renferme des secrets. J'ai trouvé le mien. C'est ton tour. Comment je reviens ? On te ramènera. Mais sois prudent. Ce n'est pas sans danger. J'aime bien le danger. Avec les saintes d'une fille. Tu penses que ça va marcher ? Il a l'air de s'en moquer. Ça viendra. Je m'en fous. Souviens-toi comme tu étais au début. Je vois pas de quoi tu parles. Arrête ça, j'ai une étoile tatouée en plein milieu du front. Mais... Je suis clairement une petite fille sage. Mais on a. Hey, où tu parles? Hein? Tu sais? Ah! Ah! Hey, je suis demain, tout est plus rouge. C'est drôle! Bon! What you know? On va pas dans le sens que ça demande d'aller. On tape sur ce mur. Et on s'en va dans cette direction. Ok, on tape ici, y'a rien. On va. Oh! Ici. On tape là, y'a rien. Quelque chose... Non. Oui, je me permets de fouiller. Ok, là. Je vais en faire le chiolage. C'est bon. Virgile, c'est une putain de maison! Alors, c'était chez moi. Avec un toit défoncé, oui. Voyons ses secrets. Ah oui, cette mission-là est longue. Mais longue. Faut que tu tournes sur tes pas tout le temps, parce qu'elle est vraiment très... Oh yes! Bon. Des coups de fusil. Aucun trou de balle. Par ici. Wow! Ah, ça c'est pas le sens. Par ici qu'il faut que j'aille. Je monte et marche. Que j'aille ici. Pour aucune raison. Que je vire là. Que j'aille là.
que je frappe ce truc. Que je me rende compte que c'est pas là qu'il fallait que j'aille et que je vire le bord. Oui. Maintenant je vais. Par là-bas! Parce qu'il y a une clé. En fait, c'est clairement pas par là qu'il faut. Ah! Oh! Yay!